Bonjour mes amis, les chanteurs et chanteuses. Nous allons parler de la profondeur du souffle. Alors, quand on respire ou chante, on ne respire pas avec notre poitrine. On respire avec notre ventre et même notre dos. Vous mettez votre main sur votre ventre et déjà, vous gonflez une fois, puis vous soufflez. Et vous relâchez le cou. Voilà. Là, j'ai pris mon air. Ça suffit, pas plus. Ça, c'est la manière juste de prendre son air. Voilà. Alors, je vais vous montrer un exemple avec deux chants. Parce que je vous ai parlé de quand on tient la note, quand on ne tient pas la note jusqu'au bout. Hein, les dernières fois, je vous ai pas un peu parlé de ça. Alors, j'ai pris un chant où on tient, un cantique où on tient les notes et un cantique où on lâche à la fin les notes. Alors, le premier s'appelle Adorons de Corinne Lafitte. Et là, on tient les notes. Alors, il y aura moi, plus encore quelques chanteurs qui sont derrière, parce que je n'ai pas trouvé karaoké, vraiment karaoké. On y va, peut-être certains le connaissent. Go. Là, je vais tenir, allez, chaque fois je le tire, c'est l'enfant. Là, je crois que je n'ai pas besoin de reprendre son air. Hein? Je continue. On peut s'y répéter. On tient très longtemps. Ça, c'est deux exemples où il faut tenir.
C'est souvent les cantiques d'adoration, d'ailleurs, hein, qu'on tient. En tout cas, en Europe, en Occident, c'est souvent quand, dans les églises, c'est souvent quand on est dans les moments d'adoration pure. C'est souvent là qu'on a ce genre de cantique. Maintenant, on va prendre un exemple où on lâche la note. Et ça va être beaucoup plus rapide. Et le premier qui me dit en quelle langue je chante, bien volontiers, merci beaucoup, parce que je ne sais même pas en quelle langue je chante. Mais par contre, je sais que c'est une langue africaine. Alors, à la fin de chaque phrase, alors je prends mon air toujours à la chose. Hein. C'est pas plus, c'est pas un effort. C'est quand on est tout vite, on relâche le ventre. Et le ventre, automatiquement, il se gonfle comme un ballon. Il va tout seul, il n'y a pas d'effort. Zéro effort. Alors, je vais essayer hein, le chant en africain de je ne sais pas quel ni pays, ni quelle tribu, ni quelle langue, ni rien du tout. Go. C'est le chant que je vous ai proposé. 3, 4. Yezu azaliyawa, Yezu azaliyawa, Yezu azaliyawa na Yezu. Yezu azaliyawa, Yezu azaliyawa, Yezu azaliyawa na na Yezu. Yo salo, alleluia, alleluia, alleluia na Yezu. Alleluia, alleluia, alleluia na Yezu. Bisotoko sepela na Yesu. Bisotoko sepela, bisotoko sepela na Yesu. Yo sala, alleluia, alleluia, alleluia na Yesu. Alleluia, alleluia. Alléluia, na Yesu. Vous voyez, là je tiens pas le na Yesu. Ça sert à rien, au contraire, je lâche. Et ça, par exemple, je pense que tout ce qui est gospel, vous pouvez lâcher. Tous les chants de type gospel, c'est des chants qui se lâchent. À la fin, qui s'envolent. En fait, la dernière voyelle s'envole. Et puis, les chants d'adoration, ou le chant lyrique, ou le chant classique, il faut tenir jusqu'au bout, et on va jusqu'à la dernière syllabe. Comme je vous avais dit dans la dernière vidéo, la dernière syllabe se prononce. Quand on fait, par exemple, en latin, Dies ire, dies illa, solvet seclum, in favilla test, David cum sibilla. Quantos tremores futuros, quando iudex eventurus, contas triste discursurus. Dies illa, solvet seclum, in pavilla test, David cum sibilla. Là, je prononce toutes les voyelles. Je n'oublie aucune. Toutes les voyelles et toutes les consonnes. Vous voyez? Contrairement à Yezu azaliyawa, Yezu azaliyawa, Yezu azaliyawa. Dies ire, dies illa, Yezu azaliyawa, Yezu azaliyawa. Tchartak vai, vistu, spasmo proche tenir. Tenir. Ou alors... Nous, on a, par exemple, on a beaucoup dans la musique, on va dire, du monde, nous, on a beaucoup de la chanson française qui est très connue. Qu'est-ce que je pourrais vous dire de chanter Non, rien de rien. Non, pas celui-là, je ne sais pas par cœur. Quelle chanson je sais par cœur? Ah, je vous en trouverai une et puis je vous en ferai une par cœur. Allez, déjà, si vous comprenez ça, c'est déjà pas mal. Et je vais vous faire, droit derrière, une chanson française où on lâche aussi.